Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode et cette nouvelle série sur The Outer Worlds. Un RPG développé par Obsidian, hein, Obsidian Studio je crois, les papas de... papa et maman de New Vegas, donc c'est un jeu qui va être un petit peu old school. J'espère que ça va vous plaire. Nous voilà partis, Supernova, une difficile... Bon, on va partir sur une difficulté normale, ne connaissant pas le jeu, et puis souhaitons une expérience un petit peu plus stylisée, on va dire, autour du personnage et des capacités d'un RPG. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny, when you go out of this world to the Halcyon Colony. En 2320, ça ressemblerait plus à grand chose à cette époque-là, moi, hein. Bon. Alors comme vous avez pu le voir, c'est un jeu en anglais, en termes de vocalisation, hein, il n'a pas été doublé en français. Vocalisation, un vocal localisation. Donc voilà un petit peu le, pour moi le défaut majeur du jeu au niveau de bah, son aspect international. C'est là où la comparaison avec un gros studio comme Bethesda s'arrête. Malheureusement, avec les conneries qu'ils font chez Bethesda en ce moment, je pense principalement Fallout 76, qui vient de... Alors déjà, Fallout 76 en lui-même. Et surtout, tout ce qui est l'espèce de Premium Pass à 100€ plus l'année. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Alors que je me touche. Donc bon, on a des points. Alors voilà, ça reste un RPG, quasiment RPG papier, où vous créez la fiche de votre personnage. Donc moi j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire. En fait, ce que je veux faire, c'est une espèce de Han Solo, c'est-à-dire un mec qui sera un peu roublard, qui saura se dépatouiller en cas de combat. Et qui pourra, qui sera un peu stupide, vous savez, un petit peu. Easily brainwashed. Glad I found you before the board did. At least you don't have rickets yet. Voilà, je peux faire convenable en perspicacité, standard ici et you considérable ici. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Vendu, suivant, compétences. Et donc, vous voyez, on va devoir mettre des points dans des compétences particulières, corps à corps, distance, défensif, dialogue, furtivité, technologie. On reste vraiment, encore une fois, dans le RPG papier. On est des compagnons, donc ce sera pas leadership, déjà. C'est soit distance, dialogue, soit dialogue, furtivité. Le problème, c'est que dialogue, furtivité, ça ne va pas ensemble. Vous voyez, furtivité, c'est pas... Je suis pas fait pour parler avec les gens, normalement. Donc, du coup, vu que ça ne va pas ensemble, on va le faire exprès de le prendre. Aptitude, technicien en débit de boisson, bureaucrate de rang 0, hôtesse de caisse, électricien. Interne en médecine, science, arme à une main. 1. C'est genre les couteaux, les armes à une main, je présume. Parade. Persuasion. Ah, persuasion plus 1, ça pourrait être cool. Allez, hôtesse de caisse. apparence. Ok, on va plutôt choisir un homme. C'est là que je vais devoir appliquer ma petite magie. Ok, la magie est pas trop mal. C'est ce que j'ai pu faire de mieux pour me ressembler. Donc forcément, suivant eux, quel est votre nom? Modifier le nom. Où est-ce que c'est censé s'afficher? Ah, ah ah! Marcus Bonus! Voilà. Tac. Résumé. Nous sommes moyennement forts, nous sommes remarquablement nous avons une remarquable dextérité, nous sommes pas trop intelligents, par contre très assez perspicaces et vraiment charmants. Tout à fait moi ça, jusque là. Bon, c'est parti.
On va bien voir ce qu'on est capable de faire avec ce genre de personnage. Alors, je sais pas si c'est un build, entre guillemets, de personnage classique. Et beaucoup de gens vont le faire comme ça. Je pense que beaucoup de gens vont jouer les débiles. Parce qu'il y a moyen de jouer un débile avec une option à la con. Bon, si tout le monde le fait, je voyais pas l'intérêt de le faire. Peut-être que je le referai en stream. Pour Twitch. Aïe! Avec un trou! Avec un trou dans la coque, tu fais un... Bon, d'accord. Ça dit, on n'a aucune idée des règles de voyage. En plus, supraluminique, c'est pas à la vitesse de la lumière, c'est au-delà de la vitesse de la lumière. Shit. Merde. Est-il. Va falloir attendre qu'il décongèle. Oui, j'ai mis un gros pull. Un gros pull que j'avais pas mis depuis très longtemps, c'est un souffle. Ah, ouais, on voit Mario. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Oui, j'aimerais rester solide, pas liquide. Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep à base de vodka? From dying so horrifically. Non, tant pis. Ok. Ouais, il doit y avoir ma femme, mes enfants, mes collègues. Dis donc, ils ont dessiné ton bon profil. I see we're in position. Good luck. Comment ça? Et tu pourrais me donner plus de... d'infos? C'est pas flippant. Ok. Est-ce qu'on va enfin pouvoir rentrer dans le jeu? Ça fait déjà 15 minutes que je joue. Remember, rappelez-vous l'espoir. Montez vos compétences d'armes de corps à corps. Déverrouille, j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai reçu un message et ma tasse de café. Salut. C'est marrant, il y a un pareil dans Destiny, non? D'accord. Oui, j'ai pas l'impression qu'il a déjà l'intention de les sauver, les autres colonistes. Mais bon, on va bien voir. Ça, vous voyez, c'est une feature qui apparemment est compliquée à installer dans... Allez, vous l'avez pas vu, c'était derrière moi. Maintenir pour passer, c'est compliqué à installer dans Borderlands, apparemment. Faut savoir que hier soir, pour moi, j'ai streamé du Borderlands. Et depuis quelques jours, quand je joue avec un pote, ça me, des fois, ça me coupe, mon PC redémarre, par principe. Ah merde. Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship... Ok, cette fois-ci, je suis bon. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Mais sinon c'est con ce qui lui arrivait quoi, je veux dire, merde. Ah, j'ai un dash, ok. Mais il est pas en avant, c'est vraiment que sur les côtés. D'accord. Bonjour toi. Ah, oh, mais non, t'en vas pas, je veux juste caresser. Attends, je vais t'avoir. Non. Bon bah tant pis. Wok. Ok. Cool. Bon bah c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais en termes de...
Adreno. Ok. T'avais pas une... Oh. Non. Parce que vous déplacez... Les jeux de perception sont situés... D'accord. Quelle idée craintive. D'accord, là il m'a détecté. Là ils m'ont détecté. Du coup ils vont m'agresser ou? Ils sont pas flippants ces mecs hein. Ok, très bien. Que je lise le tuto quand même un minimum. Ce qui m'arrive. J'ai mal aux oreilles. 70 ans, ouais. Comment ça, se laisser tomber? Ne te laisse pas. De la drogue! Monsieur? Hey, you, come here. Bonjour. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Non, nom de la loi, ça pique. Médecine 5, ne bougez pas, je vais vous aider. Bah ouais, je l'aide. Ça fait 70 ans. Like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind omitting this little exchange for my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. C'est débile. Comment qu'est-ce qui t'est arrivé? We were out on patrol. We saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired right through my side. I mean, what are the odds of that, right? J'ai tiré dessus tout seul avec une arme qui... Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ok, et qu'est-ce que tu faisais ici? Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. C'est le vaisseau que j'ai envie de récupérer. Spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Ouais. J'ai une meilleure idée. Donnez-moi votre arme et je vais aller chercher de l'aide. Quelqu'un a fait atterrir son vaisseau illégalement. Je vais aller le retrouver pour vous. Attends, vous êtes un idiot. Donnez-moi votre arme avant de vous tuer bêtement. Ouais, je suis d'accord. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes. Pourquoi tu fais de la pub? Faut me dire où je me trouve. Ouais, ça peut être intéressant. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Dommage. Headwater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ok. Donc on est d'accord. J'ai atterri illégalement sur une planète de policiers. Où je dois retrouver un mec qui a atterri illégalement dessus pour récupérer son vaisseau qui est illégalement posé dessus et repartir avant que la police ne réagisse. Très bien. Je sens que l'aspect Han Solo de mon personnage va être très bien utilisé. Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Clio workers. Company policy. Ok, bah écoute, salut. Je suis obligé de les... Ouais, je suis obligé de les tirer. Y'a du loot à récupérer dans le coin ou... Ouh! Pas ce que je récupère. Mais je le récupère. Ok, c'est parti. Désolé. Vous croyez que je pourrais? Ouais, quel intérêt de le tuer? Après, c'est... Comment dire? Après, c'est censé être une des features. Ah, du coup, j'ai... Attendez. Inventory. Question des armes. D'accord. Prenez soin de vos armes et elles prendront soin de décimer mes ennemis. 4 armes à la fois. Ok. Ah, putain. Vous savez quoi? Oh, puis en plus, il reste des choses à côté de lui. Peu... Ah, je peux pas me passer derrière lui. Je peux pas la récupérer, celle-là. Oh bah.
Écoute, il n'y a pas 36 000 moyens. Merci pour tes armes. Merci beaucoup. T'es un policier, je suis illégalement là, hein, le prends pas mal, hein, mais... On commence bien, je trouve, ce let's play, hein, en vrai. Que vous réprimiez une émeute de civils ou que vous maîtrisiez un vandale... D'accord, 3, 4, et mieux. J'aurais pu... Voilà. Ok, j'ai une nouvelle armure. Oh, du coup, tu voulais pas te laisser caresser, toi? Oh, ça fait 32 d'XP, ces bestioles-là. Ah ouais, on en est arrivé à un point où dans le jeu, je ne peux pas sprinter. Ah oui, je peux pas remonter. Je peux pas sprinter ou accélérer mon mouvement accroupi. Ah ouais. Ah, il y en a un deuxième. Dilatation temporelle. Upilupilu. Un deuxième là-bas. Pourquoi je m'embêterais à... Oh bah j'avais pas prévu de faire un personnage cac. D'ailleurs on va pas faire un personnage cac. Le cac, c'est terminé, on arrête. Pas brûlé. Possible. Oh, ça s'ouvre. Ouh. D'accord. Par contre, j'ai que du cac maintenant. Alors, attends. Ah, celle-là est améliorée, non? Elle a un truc, là. Ou alors elle est endommagée? Dégâts 36? Non, je sais pas. Ok, bon, on va se mettre à tirer un petit peu. Alors après, la question c'est de savoir si quand je tire. Je fais des dégâts. Y'a personne? Ouais que. Ok. Oh, rien de bien. Je m'attendais à mieux au niveau de... Boum, peau dure. What? Solidificateur cutané, robustesse. Efficacité d'armure plus 10, dure 15 secondes, d'accord. Il y en avait un troisième. Ah, est-ce qu'il est mieux que le mien? Pistolet léger, je crois que c'est ce que j'ai. La question, c'est de savoir pourquoi celui-ci a le petit symbole. État 95%. Voilà, c'est ça. Ok, il n'est plus en état maximum. D'accord, ok, pourquoi pas. Je suis un peu endommagé. Je profite de la régène. Je profite de la régène. J'avais mis des points. J'ai déjà oublié. Oui, c'est exact. J'avais pas mis de points, justement, mais j'avais mis... Ok. Attendez, deux secondes, je peux pas remonter. J'ai tué des gens avec ce costume là, on est d'accord. Oups. Bonjour. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Landing in the Vale without using an official spacer's choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Non mais je veux pas ta... C'est juste une infraction au protocole, mais faites pas chier. Once we've dealt with these marauders, I'm hunting that sick freak down. Quoi?
You know, need a couple of winks to catch. Tu sais, il va t'arriver une bricole entre temps. Hein. Est-ce que les gars, intimidation, je crois que vous jouez dans un 0 dans mon sondage satisfaction client. Je parlais que vous pourriez forcer ces maraudeurs à vous dire à qui appartient ce vaisseau. Ouais, mais là, dans ce cas-là, je suis baisé. Persuasion, est-ce que les... Bon, on va essayer de faire ça. Well, sometimes management's real good at cost-benefit analysis. But seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off. Non. Whoever owns that non, pas le rappeur. File a full report. Merde, ça n'a pas eu l'effet escompté. Here we go. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Kimball, reviens. Oh merde. Je veux pas te tuer. Oh, elle laissait des boules un peu partout, hein. Tant pis. C'est comme quand tu te déguises en Stormtrooper, hein, c'est exactement pareil. Aïe. Aïe, c'est vrai, j'ai le... Bah alors, non. Lâche ton arme. Ah, dommage. J'essaye un peu les limites du démembrement. Belle bête. Ok. Bon, y a pas l'air d'y avoir trop de... Bon, c'est intéressant. Bon, par contre, je me suis pas fait beaucoup de copains, entre guillemets, hein, là, mais... Je veux dire, heureusement que je fais un personnage qui est censé avoir du charme, tout ça, hein, parce que... Vaut le coup, quoi. Vous voyez que je peux me balader, je vais quand même aller voir. Vous sortez de la zone de mission, vous allez être atomisé. Non, c'est pas ça? Ouh, ouh! Monsieur? Pièce d'arme et une pelle. Toujours voulu me battre avec une pelle. Ok. Intrigant, intrigant. Ouh. Ah bah, il y a un campement aussi. Bon, on va aller faire l'objectif. Quoique. On va aller voir le campement vite fait. Alors là, ça ressemble à être un cul-de-sac aussi, donc on pourrait... Ah! Ah! C'est moi qui respire. Oh, le primate! On va voir si je l'ai handicapé ou pas. Ok. Gigant... What the fuck? Essaie de... Raté! Aïe! Je me suis pris dans le... Comment ça remonte le violet? D'accord, il y a une petite barre. Qui doit faire partie de l'utilisation du violet. J'essaie de... Bien joué. Il est derrière moi. Étendu du slip, hein, dis donc. Raté. Aïe. J'ai eu le gros. 300 d'XP, ça vaut le coup. Niveau de... Cerveau de primate. Qu'est-ce que je vais en faire? Ok. Vas-y, fais péter. Bon, comment dire? On peut voir de base que j'ai pas été une très bonne personne dès le début. Hein, mettons-nous d'accord sur notre désaccord. Du coup, officiellement, je pense qu'on va avoir besoin de ça. En dialogue, j'en mets deux pour atteindre le niveau 30, même si je crois que le niveau 30 ne sert à rien.
On aurait piratage et crochetage. Voilà. C'est pas un mauvais départ, je trouve. Appliquer. Très bien. Ensuite, section des avantages. Ouh! Un point d'avantage, jeu 20% max, 25% de dégâts solaires, vitesse de marche, vitesse de sprint, vitesse de durabilité, perte de durabilité, chance de critique des compagnons, ouais. Stock de munitions, capacité de transport, taux de recharge de la distance. Ah, ça, c'est intéressant pour nous. Un compagnon, oh! Le négociateur, ça correspondrait un petit peu à... Ah, cela dit, le petit côté dilatation temporelle, j'aime bien. On va le mettre là. Oui, oui. Hop. Nice. Bon. Le combat n'était pas simple. Mon armement doit pas être le plus efficace, hein, c'est le niveau 1. J'entends encore des bébêtes. Putain, il y en a encore un gros. Merde, je suis coincé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plus de balles. Houston? On va avoir un problème. Je n'ai plus de balles. Je crois que j'en avais encore une chier de balles, moi. Aïe. Il est juste derrière. Hein. Je peux sprinter en faisant ça? Non. Donnez-moi des munitions. Donnez-moi des munitions. Ah putain. Je crois que j'en ai chopé. Non. Monsieur? Aïe. Des munitions. J'en ai eu 7. Je vais chier loin. Allez, chute. Là, c'est des poubelles que je vais, je crois que c'est des caisses d'armes. L'aurait passé à une autre arme pour l'attaquer au cac. Aïe. J'ai récupéré des munitions ou pas? 4. Je suis loin. Essayons. C'était pas une mauvaise idée. Très bien, 300 d'XP supplémentaires. Je prends. Waouh! Prendre tout. Allez hop. J'ai l'impression d'être plus lent. Parce que j'ai récupéré du stuff. On se l'a dit, à part du loot, qui est toujours appréciable, hein, y a pas l'air d'y avoir grand chose dans le coin. Fouiller les kékès. D'accord. Monsieur, brut des maraudeurs. J'ai vu que j'avais récupéré une armure au passage. Carte de Toss Ball. What the fuck? Grosse poubelle. D'accord. C'est juste une grosse poubelle. Littéralement. Ok, bon, bah, je pense avoir visité la zone. Bref, où le soleil se couche. Ok, allons voir ce qu'on a chopé. Réparation d'objets. Oui, bah, tu m'étonnes. Ah la vache, mon gun, il est déjà à moitié mort. Bah, je croyais que j'avais récupéré une armure. Consommable.
Modification, kit de chasse. Compétence d'armes à distance, d'accord. D'armes. Vous pourriez avoir récupéré une armure ou quelque chose du genre sur un des mecs aux alentours. Je me rappelle plus de qui. En tout cas, je l'avais vu. Voilà. Bon bah au moins, je l'ai trouvé. Rien, 9. Bah c'est mieux que la mienne. Armure de type légère, armure de type standard. Ouh. Ce beau gosse. Bon par contre, on a à la fois pas beaucoup de balles. Et pas beaucoup de... Ah la vache. Au lieu de faire 100, maintenant il fait plus que 86. D'accord. Ok. Why the fuck not. Je papillonne déjà, hein, mais je trouve ça intéressant de pouvoir... récupérer un peu de pex avant de progresser. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que je perdais des munitions en cours ou pas? Doute. Comment ça, vous l'avez pas entendu? Si, il l'a entendu. Équipement, j'ai pas vu quoi. Alors? Hello? Bah. Ok. Eh bien, ce jeu n'est pas bugué. Ok, donc là je progresse, à mon avis je progresse dans l'histoire, j'aurais pas dû, j'aurais dû répondre à la radio, j'imagine un truc dans le genre, dans le vaisseau. Allons-y. Donc je peux rengainer mon arme, c'est stylé. Direction le vaisseau. Voyons voir. Ouh! Welcome aboard! D'accord, parce que je suis un voleur. Bonjour! Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. D'accord. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. J'aurais dû regarder avant. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tout te détruire? Je ne suis pas là pour un quart que ce soit illégalement. Je n'aime pas trop qu'on me parle comme ça. I have been programmed to communicate with diplomacy and tact. Please allow me to demonstrate. Vas-y. Procedures initiated. J'ai pas peur. C'est parce que tu fais tes gros yeux. Tu te rends compte que le vaisseau est posé au sol, là. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Oh. C'est le vaisseau de Sorn. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am bon, c'est le bon vaisseau déjà. Dans ce cas-là, peut-être qu'elle est au courant que je sois là. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Disons que c'est plutôt mon module de sauvetage qui est venu à sa rencontre à pleine vitesse. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Je t'en prie, j'ai pas de raison de mentir à un robot, hein. Orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? D'accord, mais je ne suis pas au sort, au sein des morts. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter.
The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. Mais non. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. D'accord, c'est comme ça qu'elle va considérer. Super, attends, Lucie. Tu comprends pas, je m'appelle Marcus Bellus. I understand. You are going undercover with an alias. I will update my discretion protocol. C'est génial. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Juste que je puisse tomber sur une pièce pareille dans un garage poussiéreux. However, the probability of locating a power mécano au passage. D'ailleurs, j'ai pas mis de points mécano. Falls within acceptable parameters of certainty. High capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. Je fais de mon mieux, Ada. Cartridge identifies you, Alex Hawthorne, non. As the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Ouais, j'ai compris, Ada. Merci beaucoup. Génial. Les dialogues sont géniaux, en tout cas. On va visiter un petit peu le vaisseau. Vite fait. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Ah bah, allez le coup. Musique annoncée, test d'armes. Et là, je pourrais réparer... Non, installer une modification. D'accord. Bah non, ça m'a toujours appartenu, vu que je suis le capitaine Hawthorn. Tu te méprends. Cross de Toss Ball. Tiens, j'ai obtenu une carte de Toss Ball, c'est quoi ce bordel? Elle est pas là. C'est quoi ça? Compétences de technologie, ça peut être... Soit on se spécialise en fait dans... Rebut, d'accord. C'est des trucs qui ont des objets de valeur. Ok. Soit on se spécialise, soit on se sert des items alentour pour... comment dire? Trouver de meilleurs... nous permettre d'acquérir les... l'expérience, etc. Tout ce qui peut nous permettre de, comment, de continuer l'aventure sans avoir à mettre des points dedans, vous voyez ce que je veux dire? Non. Alex installed it himself, right before he died. Régulateur électrique requis, d'accord, donc ça je peux pas le faire. Intéressant. Sans looter. Quand j'ai sauté, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je le sens pas. Ouh. Mais pourquoi je crochais des trucs dans mon vaisseau? Mais il y a des témoins. Vu qu'il y a Ada. Ah, je sais pas, ça me semble logique. Pourquoi lui je peux pas? C'est nul. Après, tout ça m'appartient, n'est-ce pas? Oh. Oh, tout est fermé. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Ah, défilé de thon. Du Nuka-Cola. Ah non. Dommage. Fallait la faire à un moment ou à un autre, je pense. Les fameuses cartes. Ok. Et si ça me descend où? Cette fois, je le prends. J'ai pas envie de me péter une cheville à chaque fois que je... Oh. Oh. Ok, d'accord, très bien. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour ce premier épisode. Jusque là, le jeu est plutôt cool. Merci Ada, c'est gentil. Plutôt cool, pas aussi simple que je l'aurais cru, étrangement. Les combats étant un petit peu plus compliqués que prévu, en tout cas au niveau des pribates, pas forcément au niveau des gens qui tirent dessus. Mais on a réussi à gérer. Il y a moyen de gérer entre ces deux stats. Donc c'est assez cool, enfin entre ces deux styles d'armes. La question est, est-ce que je vais mettre des points dans mon personnage en cac? Je ne pense pas. Maintenant il va falloir vraiment que je fasse le taf au niveau de notre personnage simplement, hein. Pas d'autre choix. Piratage, vous voyez, technologie c'est ici. On a vraiment pas beaucoup de points.
Est-ce que je vais jouer sur l'amélioration d'armes et d'armure? Peut-être pas, on va bien voir. Hein. On va voir à quel point je suis obligé de plonger dans le RPG pour continuer l'aventure, tout simplement. En tout cas, dans le style de crafting d'armes. On va voir si c'est vraiment utile ou si le loot va être suffisant, tout simplement. Donc moi, je vous laisse là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce briser, la commenter, la partager. Ça fait toujours plaisir de voir que les nouvelles séries vous plaisent. J'espère que ce jeu vous plaît. Moi, en tout cas, je l'attendais. Je pensais le prendre sur Switch, mais il est décalé, donc je vais pas prendre le temps de le faire, à attendre un petit peu qu'il sorte pour pouvoir voir que finalement je me fais spoiler, tout simplement. Donc voilà, je le sors comme ça sur PC. Il est à un prix assez important, je crois qu'il a 60 boules sur PC. Donc bah, si vous le voulez, ça restera, j'imagine, un bon jeu pour ceux qui ont aimé New Vegas, Fallout New Vegas. En tout cas, on va le découvrir ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop !